Welcome to the Math Computer. Please wait while the video loading. Salut à toutes et à tous les amis, c'est MathKiller et on se retrouve sur un jeu, un jeu que j'ai découvert par hasard et qui s'appelle Proteus. Alors Proteus, de ce que j'en ai lu, je ne sais pas encore comment ça se passe, je n'ai pas encore lancé le jeu, c'est la première fois que je vois l'écran. Enfin, c'est la deuxième fois parce que j'ai dans les options avant pour tout préparer. Et en fait, ce jeu-là, tout ce que j'en ai lu, tout ce que j'en ai entendu, c'est qu'il est c'est que c'est un non-jeu en fait. On va dire ça comme ça. Donc, mais je ne connais pas du tout ce jeu, et puisque c'est un non-jeu, et bien jouons-y. Je crois qu'il faudrait peut-être mieux que je fasse un, enfin, on verra ça. Dans les options, c'était WASD. Ok, donc on se lance, faut cliquer sur l'île. Creating. Créer. Je sais pas ce que ça va donner. J'ai cru comprendre qu'en gros c'était un simulateur de promenade dans un univers extrêmement dégueulasse graphiquement, mais bon, on va bien voir. Enfin, pas dégueulasse, mais gros pixel. C'est le machin qui est de retour depuis quelques temps déjà. Vous avez peut-être dû vous en rendre compte avec Minecraft et compagnie. Je suis personnellement pas hyper fan de ça. J'ai beau aimer le rétro, mais geste rétro quoi. C'est pour moi ça pas. Enfin, voilà. C'est pas une innovation que de faire un truc qui paraît vieux, quoi. Donc j'imagine que tant qu'on a des aides, ça n'a pas fini de créer. Mais c'est sympa, la petite barre brune en bas, c'est cool. Alors, ceux qui me posent la question, non, je n'ai pas acheté. Non, avec les critiques que j'ai vues, je compte pas acheter un jeu que je vais lancer qu'une fois pour regarder. Voilà, quoi. Surtout si c'est pas un jeu, quoi. Merci bien, mais si je veux m'acheter un film, je fais pareil. Hein. Bon. T'as fini de créer. Donc voilà, c'est une phase super intéressante puisque sur les 2 minutes de jeu, enfin sur les 2 minutes d'enregistrement, on est déjà à 1 minute 30, 1 minute 20 à peu près d'attente. Oh, on ouvre les yeux apparemment. Ok. Ah oh, putain de souris inversée, j'aurais aimé ça. Mais quel est le con qui a réglé une souris inversée? Échappe! J'ai besoin du menu! Ah, génial, tu remets là. Super, c'est intelligent. Ah, bah putain, oui, évidemment. Ouais, donc voilà, ce sont des petits problèmes qui peuvent arriver comme ça. Bon, on entend la musique est sympa quand même. C'est-à-dire ce que. WASD, malheureusement, j'ai vu qu'il n'y avait pas de ZQSD, donc on verra bien. Est-ce que je peux revenir à la partie? Non, faut que ça recrée encore. Oh putain, je sens que ça va être catastrophique ce jeu. Si c'est bien un jeu. Oh. Ce que j'en ai vu, c'est qu'on peut fermer les yeux déjà, hein, en appuyant sur l'échappe, c'est super cool. Je sais pas trop. Première impression, c'est que ça va être chiant. Si on passe autant de temps à attendre à chaque fois, ça va pas le faire. On verra bien. En attendant, c'est passionnant. Est-ce que je vous ai dit que j'avais mangé une pomme ce matin, par exemple? C'est vraiment cool de manger une pomme. Manger des pommes, c'est bon pour les dents. C'est bon pour les dents, sauf si la dent reste dedans, en fait. Ne croquez pas dans une pomme trop dure, simplement, quoi. Il y a très forte chance que vous vous retrouviez avec une dent en moins. Ou alors, croquez bien, simplement, quoi. N'y allez pas genre, je croque et clac, je tire la pomme de la bouche, comme ça. Non, croquez d'abord et après, vous tirez la... Ouais, je sais, je fais un peu de prévention dans mes vidéos, mais c'est normal, quoi, je m'occupe de vous. Ah, ben, j'ai pas besoin d'en faire finalement, puisqu'on est de retour. Ah oui, tu tournes la tête correctement. Ok, donc pour lui, WASD, c'est mon ZQSD, c'est magnifique, j'ai pas besoin de me faire chier. Ok, je suis perdu, je vais me noyer. Est-ce que je peux me noyer là-dedans? Il me semble que espace, c'est pour s'asseoir, mais visiblement, on peut pas s'asseoir dans l'eau. C'est nul, on peut pas essayer de se noyer. Oh, un arbre rose. Certainement un arbre avec des fleurs de cerisier.
plus. Putain, mais c'est quoi cette saloperie de bordel de. Ah, je sais ce que c'est, bordel. Je peux pas la régler, ça. Wow. J'ai des pieds, moi. Non. Alors, faut savoir que je joue en fenêtre, c'est peut-être pour ça que j'ai un bug. Et puis, surtout, j'ai pas de Windows 7, j'ai pas de trucs comme ça. Oh, des fleurs de cerisier. Est-ce que je peux taper dedans? Non, non, d'accord. C'est vrai. Quand tu disais que c'était un simulateur de promenade, c'est. Et si j'appuie sur espace, on s'assoit vraiment? Oh putain, c'est vrai en plus. Oh la vache. Bon. Je sais pas trop quoi en dire là. Bon, on va visiter dans ce cas-là, parce qu'on a que ça. Y a pas des animaux quelque part, je sais pas. Et c'est pas genre un Pokémon Snap ou un truc comme ça. Ah, Pokémon Snap, les plus jeunes connaissent peut-être pas, c'est... Non, je crois pas qu'il y ait d'équivalent. Si, Pokémon Safari, par exemple, je crois que ça existe, c'est sûr, oui. Oh là là, c'est certainement des fleurs roses. Des cailloux, je sais pas. Ouais, alors pour le côté Minecraft, on pourra passer. Par contre, c'est chiant, cette histoire de barre noire en bas qui clignote tout le temps. Ça clignotait pas tout à l'heure en ancien enregistrement, c'est chiant. Voyons voir. De la neige partout. Ouais, on va rester dans la neige parce qu'on est en hiver. Ouais, c'est trop bien étudié, hein, vous inquiétez pas. C'est une vidéo qui n'est pas du tout faite. Qui n'est pas du tout faite dans l'improvisation. Hein. J'ai tout planifié avant. Comme par exemple, regardez un peu cette magnifique pierre qui ressemble quasiment à un glitch au milieu de ce blanc. D'ailleurs, je vous propose qu'on s'assoie pour l'observer en silence. Là, je mettrais bien, en fait, la musique de 2001, l'Odyssée de l'espace, mais... En référence à ce film, justement. En rapport à la pierre qui est portée là, comme ça. Allez, ouais, on y va. Oh là là, je vais tellement vite, je suis au moins à carte. C'est ça, je suis Mario Kart. Voilà. Oh là là. Oh, j'ai ça. Oh, j'ai découvert un truc dégueulasse en 8-bit. Je sais même pas si ça peut être appelé du 8-bit. C'est tellement gros comme... On dirait des ruines de château en fait. Oh là là. Oh oui, c'est tellement bien calculé. Regardez un peu, quand je regarde ça, je suis ébloui. Oh, je vois plus rien. Oh, je vois. Oh, je vois plus. Oh, je vois. Ah, j'ai pas pris. Ah là là, c'est vraiment, vraiment, c'est un beau jeu. Non, le jeu est sympa, hein. Si vraiment vous avez le toilette, par exemple, que vous voulez pas lancer n'importe quel jeu pour pas bouffer trop de batterie. Je vous dis pas que c'est les conditions dans lesquelles je fais cette vidéo, hein. Non, 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 non. D'ailleurs, j'ai jamais fait de vidéo aux toilettes, hein. Je tiens à le préciser, ça sera entendu, sinon. Non, mais par exemple, ça peut être un bon moyen de chier, parce que c'est un jeu où on se fait un peu chier, quand même. C'était une blague de merde, mais voilà quoi, c'est... L'idée... Oh ! Oh, tu fais de la musique, mon frère ! Est-ce que toi aussi t'en fais ? Non, t'en fais pas ? Oh bah si, faut croire que si. Oh, ils font de la musique ! Oh, 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 le soleil se couche. Oh là, oh là là, regardez un peu ! Vite, vite ! Il faut contempler ce coucher de soleil tellement magnifique qui vaut au moins celui de Minecraft. Casse-toi. Allez, allez, vite, vite, vite sur la plage, parce que c'est tellement romantique, et en plus je suis tout seul. Ah, place, assieds-toi. Oh. Oh, c'est beau. Oh. Putain, j'ai bien fait de pas claquer d'argent dans le jeu, quand même. Est-ce que 10€ pour des gros pixels et ça. Alors, le côté poétique, je veux bien qu'on me le vende, y a pas de souci, mais faut peut-être pas se foutre de la gueule non plus, quoi. Hein. Attends, soleil, ne t'en va pas. Je te rejoins, je cours vers toi. Non, ne te couche pas. Ah, attends, à moins qu'il y ait été une lune qui sort. Mauvais jeu de mots. Oubliez ce que je veux dire. Et donc, on se retrouve sur cette île. Ma foi, pleine d'arbres, vert, rose, violet, bleu, un peu aussi là-bas, moitié bleu. Oh là là, c'est la lune qui se lève. Oh, je vais avoir peur dans la nuit. Peut-être qu'avec un peu de chance, on aura une épée et on pourra buter tous les monstres. Oh, ça serait très bon bien. Oh, regardez là-haut. Il y a des maisons. Oh, et ça, ce n'est pas un chemin. Oh, mon brave garçon.
Vous venez de trouver un chemin. Oh. Oh là là, ils se séparent en plein d'endroits. 1, 2, 3, 4 alliés. Ouais. Eh ben, on va aller là parce que j'ai vu des trucs là-haut. Oh, une maison. Honnêtement, je pense que ça revient à faire de la simulation de promenade. Hein. Vous savez, un peu comme les jeux de la Wii, quoi. Oui, il me semble qu'il y a un jeu de la Wii Sport, c'est ça. Si je fais A, il avance tout seul, d'accord. Okay. Si je fais E, il fait rien. Si je fais F, peut-être. Espace, tout à soi, c'est, j'ai bien compris. Contrôle. Contrôle non plus. Clic droit. Clic gauche, non. Non, non plus. Okay. Bon, Oh, on a une lune bien blanche. Elle nous éblouit pas celle-là. Tiens, c'est à moi, c'est calculé. Oh là là. Oh, que c'est effrayant. Vous savez ce que ça m'appelle? Oh, une chouette. Et vu qu'elle est blanche, c'est certainement une chouette hulotte. Et oui, je vais vous donner un petit peu, parce que avant, enfin, quand j'étais gamin, mon hobby, c'était quand même d'être... Enfin, je voulais être ornithologue. Hein. D'ailleurs, si je pouvais encore le faire aujourd'hui, je le ferais, mais... Et je me suis pas tout à fait dirigé dans la même filière. Bon alors, comment on monte là-haut? Là, j'ai cru comprendre qu'il y avait des ruines. Oh, une étoile filante. Oh, oh, il y a plein d'étoiles filantes. Faites des vœux, mes amis, faites des vœux. Regarde, oh là là. Oh putain. Oh la vache. Oh la vache. Oh la vache. Oh, oh putain, c'est... Mais c'est Smallville. Mais c'est Smallville, bordel. Toutes ces météorites qui se cassent la gueule dessus. Oh, c'est que ta kryptonite. Oh, je me sens faible. Oh, oh. Mais en fait, je déconne. Ah, je ne suis pas Superman. Non, je suis Maddy. Mad Killer. Supermad. Voilà, c'est préféré. Donc, Ouais. Bon, ok, il y a plein de, on se prend plein de météorites sur la gueule. C'est peut-être un petit peu dangereux quand même. Hein, surtout s'ils ont mis le... De toute façon, il n'y a pas de barre de vie. Il n'y a pas de survie. C'est tellement mainstream la survie maintenant. De toute façon, la construction, la survie dans Minecraft, tout ça, c'est tellement has-been. Has-been, mainstream, on s'en branle, moi j'utilise des termes de vieux. Et parce que je suis vieux quoi, c'est normal. Et oh, oh là là, oh regardez un peu. On arrive certainement dans un sanctuaire sacrificiel de Maya. Avec Pazuzu, Apoupou, Abobo aussi, Abobo, oui, Abobo, un personnage très célèbre de la dance qui a été repris chez Yanka. Un indien qui est un peu gros. C'est vrai, quand ils me font penser à Kid Paddle du côté comme ça. Enfin, au personnage de Kid Paddle. Avec le gros pif. Et le gros beat comme ça. Et l'air tout flasque en même temps. Ça, c'est... Ah, mais nom de Dieu, mais il se passe quoi là? Y a un combat de Gundam dans le ciel quoi. Je veux voir ça. Mais putain, je veux voir ça. D'ailleurs, si jamais, les amis, si jamais vous avez un jeu sympa, pas récent, hein, un jeu sympa qui parle de Gundam. Même qui est tiré d'un Gundam et qui soit pas très récent non plus, hein, genre un truc Gundam Wing par exemple, Gundam Wing c'est 98. Si vous avez moyen, enfin si vous en connaissez un, passez-moi son nom quoi, parce que je suis un gros fan de Gundam et c'est le genre de jeu qui me manque un peu. Et enfin vous avez pu le voir ça, vous avez pu voir que j'étais un gros fan de Gundam avec Shogo par exemple. Mais oui. Shogo c'est Shogo quoi, c'est son univers à lui. Oh là là, oh, regardez un peu, regardez, je me sors. Ah bah le jour bientôt se lever j'ai l'impression parce que... C'est pas tout ça mais c'est que la nuit tourne... La nuit tourne ma bonne dame. Alors voyons voir tout ça. Bon alors le jeu peut être très poétique, hein, ça a dû miser forcément sur un truc poétique mais j'appelle pas ça un jeu. Un jeu. Oh là là, la pluie arrive. Oh putain, il y a des chances que ça fasse ramer un truc comme ça en plus. Lui, il planque ça sous l'arbre. Ah oh, mais c'est cool ça, il y a encore des vestiges par là. C'est pas là où j'étais au début. Putain, ça y ressemble. Y a pas une carte, genre je sais pas si je fais tab, y a une carte. Non, y a pas de carte. Si je fais M peut-être. En map, non. C, non. Ok, super. Bah vous voyez, je suis en train de penser, ça fait penser un peu à... Comment il s'appelle ce putain de jeu à la con là? Non, Animal Crossing, voilà. Ça fait penser un peu à Animal Crossing. Moi j'ai joué que la version sur DS, hein, je sais que c'est plus vieux que ça. Mais... Et si vous voulez, ça fait penser à ça un petit peu, mais sauf qu'il n'y a personne à qui parler. On n'a rien à y faire.
Mais comme dans le jeu, on se fait chier aussi, hein. Il y a un côté très sympathique. Je veux dire, j'ai beau être quelqu'un de romantique, bon, ça s'entend pas comme ça, mais c'est le cas. J'ai beau être quelqu'un de romantique, assez à cheval sur la poésie, tout ce qui est littéraire et art, graphique et compagnie, mais là, graphiquement, c'est moche, hein, faut bien dire ce qu'il y a. Et la poésie, je sais pas trop où elle est, quoi. S'il faut juste rester assis pour contempler un peu la nature en 8 bits, merci bien, mais j'en passe. Je sais le faire tout seul, et puis contempler la vraie nature, c'est beaucoup plus sympa. Ou alors celle d'Oblivion, ou de Skyrim. Enfin, ça dépend. Moi, j'ai Oblivion avec un pack en HD, là, c'est... C'est vraiment pas mal. C'est au moins aussi beau que Skyrim. Au moins. Voire même peut-être plus. Enfin, en même temps, j'ai pas fait Skyrim en full. Enfin, bref, j'ai un PC de merde. Mais que puis-je faire, sérieusement, à part marcher, quoi, c'est... J'espère vous tenir encore au moins 5 minutes comme ça, et oui, au moins 20 minutes, vous allez en bouffer jusqu'à la fin. Sur ce jeu, cool, où j'aurais pu placer à peu près toutes les... Je pense qu'en fait, je vais prendre ce jeu-là, pour sortir toutes les conneries que je ne peux pas sortir dans les autres vidéos que je fais. On va prendre ça comme ça, en fait, parce que là, depuis tout à l'heure, j'raconte de la merde, et ça me paraît cool aussi, comme solution. Alors, il y a vraiment un jeu sur la musique, par contre. Les sons, la musique et tout, il y a vraiment un jeu là-dessus. Par contre, l'île est minuscule, il y a ce qui est. Je sais pas si l'île est aléatoire, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que ça te crée le monde, mais c'est tout, quoi. J'ai pas l'impression que ce soit vraiment aléatoire, ni quoi que ce soit. Bon, alors, honnêtement, hein, si le mec permet de faire des packs de textures, il y a peut-être moyen qu'on s'amuse un petit peu plus, parce que c'est moche, quoi. Ouais, la Minecraft, c'est ça. Oh la vache. Je dois être trop haut pour qu'il affiche le reste, quoi. Ah non, d'accord, c'est qu'il y a encore des putains de nuages. Je suis au-dessus des nuages, quoi. Non mais... Mais attendez, je suis sur l'Everest. Non, c'est quoi la montagne la plus haute, déjà, c'est... Oh, bah si, putain, c'est sympa, en fait. Ah mais attends, il faut attendre des moments spéciaux à chaque fois pour que ce soit sympa, ça fait pas, quoi. C'est quoi le monde plus haut, déjà? C'est pas l'Everest, c'est pas le... Ah, il est en Afrique, je crois. Kilimanjaro, c'est pas ça? Je sais plus. Mais je sais qu'à l'Everest, il y a ce qu'on appelle la ceinture de mort ou la Death Zone, si ça dépend comment vous voyez la chose. Et c'est un endroit où il y a beaucoup de monde qui meurt, simplement. Et du coup, il y a plein de cadavres qui sont pas récupérés, pas de... Enfin, cadavres décomposés ou à moitié décomposés, parce que c'est fait tellement froid cet endroit-là que du coup... Oh, là-bas, il y a un truc. Oh, la neige qui me tombe sur la gueule, de mieux en mieux. Non, mais c'est quoi ça là-bas? Ah, vite, vite, il faut que je suive. Qu'est-ce que c'est? J'ai absolument aucune idée de ce que c'est. Peut-être une nuée de mouches. Je vais faire gaffe, les mouches, c'est dangereux. Faites gaffe aux mouches. Elles sont dangereuses, elles peuvent venir se poser sur votre pain. Quand vous mangez. Ou si comme moi, vous mangez pas de pain... sur votre main. Voilà, si vous mangez vos mains. Enfin, moi je le fais pas personnellement, mais si vous êtes cannibale et que vous le faites, voilà. Enfin, en même temps, si vous mangez vos mains à vous, ça peut ne pas durer très longtemps. C'est un, bon, enfin, c'est un système de ouf comme un autre, hein. Bref, j'ai bien compris que c'était censé être poétique, hein, mais... Il y a poétique et poétique, quoi. Minecraft peut être poétique, Oblivion peut être poétique, Skyrim ça peut être poétique aussi. Quel autre jeu peut être poétique? J'allais dire Fallout, non, pas Fallout. C'est un très mauvais exemple pour le coup de poésie. Alors maintenant que vous lisez de la poésie, je chie sur la gueule et hop, je t'étale ça sur le mur. Mais voilà, quoi, ça c'est la poésie Fallout. Non, qu'est-ce qui peut être poétique encore comme jeu? Qu'est-ce qu'il y a comme autre jeu poétique? Alors, j'y ai jamais joué, mais pour ce que j'en ai vu, je pense que Mass Effect a ses moments poétiques aussi, quand même. God of War, je suis pas sûr, mais je pense, à moins que je me trompe de nom de jeu. Il y a tellement de jeux poétiques, de certaines façons, qui peuvent être jouables. Je veux dire, là, le mec, quand même, il vend ça à 10 boules, quoi. Enfin, c'est, je sais pas si... Enfin, 10 boules... 10 euros, ce qui fait à peu près... très cher, hein, pour mon petit compte en banque, par exemple. Donc, oh là là, c'est qu'il a fait des fleurs de cerisier de couleurs différentes. On a genre ceux de, je sais pas, Tokyo et ceux de
Alors ça, c'est ce qu'on voit en fait de dessous un arbre en Chine. Hein. Attendez, il est où celui-là? Voilà. Oh, que c'est beau. Ça, c'est ce qu'on voit plutôt du côté japonais, quoi. Oh, c'est tout rose. Voilà, c'est... un petit troll au passage, comme ça. Putain, mais il pleut tout le temps dans cette région de merde, quoi. Sérieusement, est-ce que t'as pris l'habitude d'aller sur une île pareille, toi? Ouais, j'ai pris l'île où il pleut tout le temps, c'est super cool. Putain, t'as vu ça où? Je pensais faire un truc touristique, tranquille et tout. Et en plus, je peux être que dehors parce que les maisons, elles sont fermées. Parce que les ruines, elles sont pas visitables. Wow, 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 c'était bloqué mon clavier, ok. J'ai fait un ghosting, ça peut arriver. C'est bizarre. Mais enfin, ouais, surtout que c'est... Enfin, je peux faire 3 ou 4 touches en même temps, donc... Et je pense que ça peut se modifier, ça. C'est bon, mon clavier coûte un peu cher, je pourrais le modifier comme ça. Enfin bref, voilà, on va s'arrêter sur cette vue, ma foi, magnifique. Enfin, j'ai envie de dire, en fait, aussi magnifique que Germante. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est tellement des gros putains de pixels que, mine de rien, quand vous marchez comme ça, oh, c'est beau, oh, c'est beau, oh, c'est cool, oh, ça aussi c'est cool. Oh. Quand vous marchez comme ça, ça vous donne un petit peu envie de régurgiter. Voilà. Donc, on peut essayer de se noyer, mais j'ai l'impression qu'il nage très bien, genre, je suis Jésus, je marche sur l'eau. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Et donc, les amis, je vous abandonne sur cette pluie qui arrive vers nous, simplement. Oh non, on va se faire attaquer par la pluie. Putain, sérieux, elle croit que les nuages nous suivent, quoi. Vous avez vu un peu comme j'ai fait un écart tout à l'heure, et là, ça arrive sur ma gueule, quoi. Enfin bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à plus tard. Allez, ciao.